Coucou tout le monde, c'est Hélène de la chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc super bonne nouvelle aujourd'hui, j'ai reçu deux colis. Voilà, donc celui-ci je sais ce que c'est. C'est les pochettes dont je vous avais parlé dans ma précédente vidéo pour ranger mes diamants une fois que j'ai fini mes DP. Donc j'en avais commandé que 10 au début, j'en avais pas assez. Donc là, je m'en suis commandé un petit stock, on va ouvrir ça ensemble. Hop. Voilà. Et donc voilà. Donc là, normalement, j'en ai... Je sais plus combien j'en ai pris. Ils me disent 450, mais il n'y en a pas 450, vu qu'il y en a 9 par pochette. Hop. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai qu'un seul classeur. Donc je vais mettre mes ronds et mes carrés dans le même classeur, mais vu que j'aime autant faire des ronds que des carrés, eh bien je pense que je me rachèterai un autre classeur plus tard. Et du coup je séparerai, je ferai un classeur pour les ronds, un classeur pour les carrés. Mais en attendant je suis contente, je vais pouvoir les ranger. Hop. Donc voilà, c'est comme je vous ai montré sur mon classeur dans ma précédente vidéo. Ce sont des pochettes comme ça qu'on peut mettre sur n'importe quel classeur. Et du coup, bah, vous avez, donc c'est par le haut, moi, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui c'était sur le côté. Moi, c'est par le haut. Et du coup, je peux mettre 9 sachets. Ouais, 9 sachets par pochette. Voilà, donc je suis super contente. Je vais pouvoir ranger tout ça après. Voilà. Et donc, le deuxième colis, c'est un Diamond Painting, ça c'est sûr, je le sens. Par contre, je sais pas du tout lequel c'est, parce que j'en attends plusieurs. Donc, vu la taille, j'hésite entre soit un de chez AliExpress, que j'ai commandé il y a un moment, ou alors j'en attends un depuis longtemps, que j'avais commandé sur Amazon, bon, qui venait d'un site chinois, donc je savais que ça mettrait du temps, mais il est passé par toutes les douanes de chaque pays, il est passé à la douane au Luxembourg, je crois, à la douane en France, puis il est repassé alors qu'il avait fini, c'était marqué dédouanement terminé, puis rebelote, il est repassé à la douane. Donc on va voir si c'est celui-ci. Surprise. Ouais. Hop. Ouais, c'est ça, c'est celui-ci qui était bloqué. Alors celui-ci, je me rappelle très bien, je l'ai commandé le 1er mars. Et nous sommes le... je sais plus... Nous sommes le 16 avril et je le reçois seulement maintenant. Bon, déjà, je suis contente que je l'ai reçu parce que je pensais vraiment pas le recevoir. Donc, je suis super contente. Hop, voilà. Donc, ce sont des diamants ronds. Ce sont des diamants ronds, voilà. Hop. Donc, je suis contente parce qu'en plus, c'est un grand. Donc il y a toujours le petit kit. Donc vous voyez, je l'ai commandé sur Amazon. Donc tous ceux que j'ai commandé sur Amazon, j'ai toujours eu ce kit-là. Donc voilà, donc parfois il y a des sachets, parfois il n'y en a pas. Là il y en a, je suis contente. Il y a un tout petit pain de colle. Un stylet simple, sans embout. Voilà. Et puis une petite barquette verte que je ne me sers plus du tout. Et donc, si mes souvenirs sont bons, voilà, c'est un 40 par 50. Donc, je vous montre. Hop. Voilà. Donc, c'est la princesse Belle avec le château derrière. Et il y a énormément, énormément de blanc. Ah, c'est cool. Il y a les références DMC en plus. Donc, ça, c'est sympa. Donc, je vais vous montrer. Donc, déjà, bon, l'image, vous n'allez peut-être pas voir grand-chose. Voilà. Et donc, là, en fait, il y a les couleurs. Donc, il y a 33 couleurs. Donc, là, il y a le numéro 1 avec les symboles, en fait. Le numéro avec les symboles. Et en fait, en bas de la toile, il y en a un autre. C'est la première fois que j'ai ça. Et donc, il y a les symboles. Mais par contre, ce coup-là avec la DMC. Donc, c'est top parce que ça ne va pas me faire des diamants... des diamants que je ne sais pas quoi faire avec. Donc, là, je suis super contente. C'est un plastique transparent. Donc c'est top. La toile elle est un petit peu pliée par contre. Oh c'est marrant, la colle, la toile est pailletée. La première fois que ça m'arrive aussi. Il y a des petites marques, mais alors la colle n'a pas fait de bulle. Je suis super contente. Hop.
Voilà. Donc, premier unboxing pour moi. Je vais vous montrer les couleurs. Je suis ravie. Donc, j'attends encore énormément de toiles. Donc, c'est le premier unboxing, mais ça ne sera pas le dernier, ça c'est sûr. Hop. Alors. Désolée pour le bruit. Déjà, je vois qu'il y a un diamant qui se promène. Ça, c'est pas très bon. Alors, j'ai la petite feuille. J'allais dire, il manque des couleurs. Ils m'ont fait une feuille pour deux couleurs. Économie de papier. Hein. Voilà, il y a deux feuilles là. De deux couleurs, je veux dire. Et du coup, c'est une feuille comme ceci. Voilà, donc je vais m'amuser à compter tous les diamants. Je vais vous montrer les couleurs. Hop, donc ce sont des petits sachets comme ça. Standard, c'est pas des sachets... qui se referme. Hop, oh là là, c'est super joli. Ah oui, d'accord, donc la grosse couleur autour, c'est pas du blanc. C'est pas du blanc, c'est du 37-56. Et en fait, ça fait un peu comme du vert. Hop. C'est magnifique. Je pensais que ça serait blanc autour. Et en fait, non, ça fait un peu vert d'eau. Oula, j'ai des perles qui sortent, je sais pas d'où. Ouais, il y en a pas mal. Là, j'ai de quoi faire. Du jaune. Sympa. Hop. Donc, voilà. Hop. Sinon, j'en profite de cette vidéo pour remercier mes premiers abonnés. Je suis très contente. J'ai des commentaires super gentils. Donc, merci beaucoup. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo une prochaine fois. Salut !